Cyrano n'est pas là. J'ai perdu mon pari. Tant mieux, tant mieux. Bravo, mon Fleury, mon Fleury. Reculons à des cours dans un lieu solitaire. Se prescrit à soi-même un exil volontaire. Et qui, lorsque Zéphyr a soufflé sur les bois... Bouca, t'es-je pas interdit pour un mois? Hein? Quoi? Qu'est-ce? C'est lui! Cyrano! Roi des pitres hors de scène à l'instant! Oh! Mais... Tu récalcites! Chut, assez! Mon Fleury, jouez, ne craignez rien! Reculons à des cours dans un lieu seul... Eh bien! Heureux qui... Oh heureux qui... Ah, je vais me fâcher. Venez à mon secours. C'est la fin, il nous ennuie, une fanfaronne. Personne ne va donc te répondre. Personne. Attendez, je vais lui lancer un de ses traits. Vous, hein? Vous avez un nez... un nez... très grand. Très. C'est tout? Ah non! C'est un peu court, jeune homme. Vous auriez pu dire... Oh Dieu, bien des choses, en somme. En variant le ton, par exemple. Tenez. Agressif, moi, monsieur. Si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical. Mais il doit tremper dans votre tasse pour boire. Faites-vous fabriquer un anap. Descriptif. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule. Curieux. De quoi sert cette oblongue capsule d'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux? Voici-le. Aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupez? Pâtes de tendre se perçoir à leurs petites pattes. Truculent. Ça, monsieur, lorsque vous pétunez, la vapeur du tabac, vous sortez-le du nez. À la mode, prendre son chapeau, c'est vraiment très commode. Emphatique, aucun vent ne peut n'est magistré sans rimer tout entier, excepté le mistral. Dramatique, c'est la grande quand il danse. Admiratif, pour un parfumeur, quelle enseigne. Eric, est-ce une conque? Êtes-vous un triton? Naïf, ce monument, quand le visite-t-on? Respectueux, souffrez, monsieur, qu'on vous salue. C'est là ce qui s'appelle avoir pignon sur rue. Compagnon. Et Ardé, si tu en es, nana. C'est Cucnovigion, Uber, Cucmelonnet. Militaire. Pointé contre cavalerie. Pratique. Voulez-vous le mettre en loterie? Assurément, monsieur, ce sera le gros lot. Enfin. Parodiant Pyram en un sanglot, le voilà donc ce nez qui, des traits de son maître, a détruit l'harmonie. Il en rougit, le traître. Voilà. Ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit, si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit, oh, le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome. Et de lettres, vous n'avez que les trois qui forment le mot sot. Oh, eussiez-vous eu, d'ailleurs, l'invention qu'il faut pour pouvoir, là, devant ces nobles galeries, me servir toutes ces folles plaisanteries, que vous n'en eussiez pas articulé le quart de la moitié du commencement d'une, car je me les sers moi-même avec assez de verve, mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. Et qu'on te laissait donc. Ces grands airs arrogants. Un hobereau qui n'a même pas de gants. Et qui sort sans ruban, sans bouffette, sans gants. Moi, c'est moralement que j'ai mes élégances. Mais monsieur... Je n'ai pas de gants. La belle affaire. Il m'en restait un seul, d'une très vieille paire, lequel m'était d'ailleurs fort importun. Je l'ai laissé dans la figure de quelqu'un. Marot, faquin, buteur de pieds plats ridicules. Et moi, Cyrano Savinien Hercule de Bergerac. Bouffon. Aïe. Qu'est-ce encore qu'il dit? Il faut la remuer car elle s'engourdit. Ah! Ce que c'est que de la laisser ride occupée. Aïe! Qu'avez-vous? J'étais fourmi dans mon épée. Oh, putain. Soit. Je vais vous donner un petit coup charmant. Poète. Oui, monsieur, poète.
Et tellement qu'en ferraillant, je vais, hop, à l'improvisade, vous composer une balade. Une balade? Et vous touchez, monsieur, au dernier vers. Non. Balade du duel quand l'hôtel Bourguignon, monsieur de Bergerac, eut avec un bélitre. Qu'est-ce que c'est que ça, s'il vous plaît? C'est le titre! Place! Très amusant. Rangez-vous. Pas de bruit. Attendez. Je choisis mes rimes. Là, j'y suis. Je jette avec grâce mon feutre. Je fais lentement l'abandon du grand manteau qui me calfeutre. Et je tire mon espadon. Élégant comme Céladon. Agile comme Scaramouche. Je vous préviens, cher Myrmidon. À la fin de l'envoi, je touche. Vous auriez bien dû rester neutre. Où vais-je vous larder dans le dos? Dans le flanc, sous votre maître, au cœur, sous votre bleu cordon. Oh, les coups qui teintent, ding-dong, ma pointe voltige, une mouche. Ah, décidément, c'est au bedon qu'à la fin de l'envoi, je touche. Il me manque une rime en eutre. Oh, vous rompez, plus blanc qu'amidon. C'est pour me fournir le mot pleutre. Tac, je pars la pointe dont vous espériez me faire don. J'ouvre la ligne, je la bouche. Ah, tiens bien ta broche, Laridon. À la fin de l'envoi, je touche. Envoie. Prince, je demande à Dieu pardon. Je carte du péché, je coupe, je feinte. Et là donc, à la fin de l'envoi, je touche.